Bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Putain de gueule! C'est ta grande gueule que je vais exploser, connard. Méthode de Cédric. Un petit rappel, la méthode du vendredi 13. Vendredi 13. Le vendredi 13, ça porte bonheur. Je vais tenter ma chance avec les familles. Malheur, tu sais. Non, mais rien, ce matin, on a fait un jeu de grattage là pendant l'émission. J'espère que tu vas perdre. Romano, il a perdu. Il a rien gagné. Et moi j'ai gagné 2 euros. Et Dufou, il a gagné 4 euros. J'ai rien perdu puisque comment je l'avais pas payé. Donc. Oui, c'est vrai. Ah, mais t'as rien gagné non plus. Ah non. Donc, alors, moi j'ai gagné 2 euros. La méthode du vendredi 13, c'est pour toi, Cédric. On va appeler une première famille. Et Romano, ta méthode est la méthode des soldes. C'est ça. Une méthode pas chère. Eh ouais. Bah oui. Et je vais chez qui? Chez Bruno pour commencer. Et on commence par Bruno. Allez Bruno. Bonne chance Cédric. Écoutez bien, puis tout à l'heure vous pourrez voter pour décider. Bonne lose. Des résultats du clash de ce soir. Allô. Allô Bruno. Bah c'est qui? Ah bonsoir, c'est Michel au téléphone, comment vas-tu? Michel qui? Bah écoute, on se connaît pas encore. Je t'appelle là parce qu'aujourd'hui on est vendredi 13 et c'est un peu mon jour de chance là. Depuis ce matin, j'ai que de la chance. Et je me suis dit, tiens, ce soir, je vais appeler Bruno, je vais demander à parler à sa femme et je vais tenter ma chance avec ta femme. Est-ce que tu peux me la passer, s'il te plaît, mon pote? Je vais bien tiquer ta mère, surtout. Alors, peut-être pas ma mère, tu vois, mais à la limite, si tu veux, je pourrais venir te voir. Présente-moi ta femme, je vais la niquer. Bah écoute, j'en ai pas justement. Derrière, je pourrais niquer ta mère. Ah, bah écoute, ma mère, on va la laisser où aller parce qu'elle est en train de dormir. Bah à la limite, moi, je vais venir chez toi frapper à la porte. Et puis, on va faire connaissance, toi et moi, si tu veux. Bah viens, c'est un bonhomme, viens, frappe à la porte. Bah écoute, ma gueule, je vais venir. Dans 5 minutes, je vais être là. Dis à ta femme de se préparer, c'est puis toi et moi. Brouille. Non, toi et moi, on va faire un petit peu connaissance. Écoute-moi, enfant de putain. Viens à ma porte. Ah, c'est trop, des gros sur sa chaise. Ferme ta gueule, tu m'appelles. Viens à ma porte, c'est où j'habite. Bah oui, je t'habite. Viens à ma porte, enfant de putain. Et puis je vais tuer ta mère. Est-ce que tu vas me faire l'amour? Décidément, il aime beaucoup la famille, ce monsieur. J'ai envie que tu me fasses l'amour. Tu as envie que tu te fasses l'amour? Est-ce que tu as envie de me faire l'amour? Non, moi j'ai envie de te faire l'amour. Je veux faire l'amour à ma femme, enfant de putain. Bah moi je vais faire l'amour à ta femme et à toi derrière. C'est sympa. Voilà. C'est qu'il est content. Non mais tranquille, écoute, je vais essayer de le gérer. Ouais, je crois qu'il est excité, qu'il a envie de me voir. Je crois que c'est bien parti là. Oui. T'as bien, t'es un bonhomme. Ouais, je suis un bonhomme, je vais venir dans 3 minutes alors. Je crois qu'on va avoir droit à un fond. Ok mon chéri, j'arrive, dans 5 minutes je suis là. Et je sens que toi et moi on va faire l'amour. Ah, je crois qu'il est parti. Il a envie de me faire l'amour. Il est parti se préparer là. Ah non, il a envie de te péter la gueule. Et on va pas répéter ce qu'il a dit. Parce que c'est pas très très gentil. Non, il n'a pas été. Ça t'a énervé à un moment. Tu faisais des bons sur ta chaise, Cédric. Ouais. Bon, pas le mal. Ouais, parlez mal un petit peu. Bon, Cédric a gagné une embrouille. Voilà. Une embrouille pour Cédric. Très ça bien. Ça commence bien. Ah, il va falloir que je remette un peu de sensualité et d'érotisme dans tout ça. Tu vas remettre de l'érotisme. Bah, y a pas le choix, Cédric. Tu crois qu'il a enlevé l'érotisme? Ah, bah, il l'a complètement enlevé. Ça serait un beau clash de l'embrouille, on nous dit sur SMS. C'est vrai, mais bon, c'est pas ça qu'on fait, nous. Bon, à toi, Romano. Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi tu te mets à danser comme ça? Bonsoir, mes amours. Bonsoir, Romano. Oup. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Quelques mouvements de bassin pour m'entraîner à faire l'amour ce soir. Bon, et les numéros 8 pour toi? C'est qui? David. Ton premier coup de fil? Bonne chance, Romano. Mais arrête de dandiner comme ça. Ouh. Allô, David? David? Ouais, comment vas-tu? C'est qui, là? C'est Jean-Louis à l'appareil. Ta femme, elle est là? Parce que j'ai fait les soldes pour elle. Je lui ai acheté une belle mini-jupe et j'aimerais bien qu'elle la passe ce soir pour moi. Allez, je peux venir à la maison? Allô? Allô, comment il s'appelle déjà? Je crois qu'il est parti lui aussi. David? Il est parti lui aussi. David? Niveau de robot lui. Ah non, il est là. David? Je vais venir là dans 5 minutes. Ah mais non, on t'entend encore, t'es là. Ouais. Ta femme, on va la mettre en mini-jupe. Et après, je crois qu'on va faire l'amour. Ah David? Dis quelque chose, s'il te plaît. Ou passe-moi ta femme. Voilà. Ah, oui, là, il a raccroché. Quand on n'entend plus rien, c'est comme pour Cédric tout à l'heure. Quand on n'entend plus rien, c'est qu'il a raccroché. Ça, ça a coupé, Romano, malheureusement. Que s'est-il passé? C'est important, j'ai tout donné niveau sensualité, merde. Ben oui, tu t'es même un peu trop. Tu t'es trop dandiné, je pense. Je pense que... Il était hypnotisé sous le charme. C'est ça. Il a lui aussi, il était dans un bel état, tiens. Bon, je vais vous laisser un deuxième tour. Oh, ben c'est pas de refus. Allez, on vous donne un deuxième tour. Tour de chauffe, on va dire. C'est ça. Alain pour toi ça. Alain. Essaye de pas t'embrouiller cette fois.
Oui, attends, gros. Parle mal, le bras aussi, parle mal. Allez, Alain. Allô. Allô. Ouais, Alain. Oui. Bonsoir, comment ça va? Ah, ça va. Bon, tranquille, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là parce qu'aujourd'hui c'est un peu mon jour de chance. Depuis ce matin là, j'ai que des. Il m'arrive que des trucs bien, tu vois. Ah bah ça. On est un peu vendredi 13 et je me dis tiens, soir je vais appeler Alain et je vais tenter ma chance avec sa femme. Est-ce qu'il y a moyen que je vienne voir ta femme? Michel, c'est qui Michel? Bah, je te connais pas encore, tu vois, justement, on aurait pu faire connaissance. Moi non plus, je te connais pas, merci. Bah, moi je connais un peu ta femme, tu vois. Allô. Voilà, là tu t'es pris avant mais c'était plus rapide. Ah putain. Et il plus sympathique. Et il ne t'a pas insulté. Ouais, ah, c'était plus sympa. C'est vrai. Il était vraiment sympa ce type, moi je trouve. T'es content parce qu'il a raccroché vite, c'est ça. Il est vraiment cool. Il était aussi sympa que le tien avant. Bon, et un vent, un. Allez, on passe à toi Romano maintenant. C'est non parti. Mais avant c'était un psycho, le mec, t'as vu comment il parle. Voilà. On appelle qui tiens? Alain. Bah, un autre Alain pour toi Romano. Allez Alain, bonne chance avec ta méthode des soldes. Enlever cette musique qui fout la loose. Ah tu l'aimes pas? Oui. Allô. Allô Alain. Oui. Oui bonsoir, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis qui? Jean-Louis là, j'habite dans le quartier. Tu es tout seul ce soir? C'est Jean-Louis qui? Jean-Louis David. Jean-Louis David. Oui. Tu es tout seul ce soir? Ouais ouais. Ouais, parce que je t'ai acheté une petite mini jupe là pour les soldes. Ah bah c'est bien. Et je voulais te l'amener et que tu la passes. Et puis après on aurait pu faire un petit câlin tous les deux. Eh cochon va. Elle est bonne hein. Ah ouais bon ouais. Alors j'espère, je la goûterai, je te dirai si elle est bonne. Eh ouais. Bon écoute, j'arrive dans 5 minutes là. Hein mon petit Alain. Allô. Oui bien sûr, tu ne m'entends plus, tu passes sous un tunnel c'est ça? Ouais c'est ça. Ouais, je vais rentrer dans ton tunnel tout à l'heure moi. Dans ton tunnel de l'amour. Allô. Alain, moi, ah putain. Putain, alors, c'était moi une là. Ah, il a accroché. Ça c'est un peu un vent tu vois, mais il a mis plus de temps, j'ai envie de te dire. Non mais bon c'était. Là, je me suis rattrapé un peu aux branches. Il a rien fait. Bon, il a rien fait. À un moment j'y ai cru mais. Bah non. Ouais bah moi aussi j'y ai cru. Tu vois. Bah oui. C'était moi une. Je vais être obligé de vous laisser un troisième tour. Allez vas-y. Allez un troisième tour pour vous. Et donc on commence par toi Cédric. Et je vais chez qui? Je vous l'annonce, ça sera sans doute le dernier. Oh non. Si, le dernier tour pour vous. Attention. Putain, faut que je serre là, faut que je donne tout. C'est là que tous décident. Jean-Marie. Allez Jean-Marie. Tiens Olivier qui écoute l'horoscope de l'amour du matin, qui nous dit Cédric avait un moins bon horoscope que Romano ce matin. C'est vérifié pour l'instant. Oh, bon il a rien fait gros. Bah, je lis le message d'Olivier, 16 ans, Olivier, dans Lille-et-Vilaine. Fatigué ou quoi? Lille-et-Vilaine, tu connais non? Ouais, ouais. Ah, comme Cédric. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. Bon, on en prend un autre. Laurent. Ouais, chez Laurent. Ah malheureusement on ne parlera pas Jean-Marie. Non. Allô. Allô. Ouais Laurent. Oui. Ouais bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien ouais. Ouais tranquille, dis-moi. Je me présente, je m'appelle Michel et aujourd'hui c'est vendredi 13. Et depuis ce matin, j'ai que des bonnes choses qui m'arrivent. Donc je me suis dit tiens, un soir je vais t'appeler et je vais tenter ma chance avec ta femme. Il y a moyen que je vienne la voir ou pas? Ouais. Ouais. Bah écoute. Cool. Ouais bah je peux être là dans 5 minutes, ça pourrait être sympa, non? Ouais, je la sentais bien. Ce soir je me dis ça va finir en beauté. Ouais, je te le dis. Et à mon avis, avec toi aussi, ça va bien se passer, non? Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un truc tous les deux. Ouais, je pense, ouais. Ah, moi, j'ai envie de te faire l'amour ce soir. Ah ouais? J'ai envie de faire l'amour toute la nuit. Allez. Et toi, t'as envie? Ouais, bah viens à la porte, tu verras. Ouais, bah écoute, je vais venir dans 2-3 minutes, je suis là, t'inquiète pas. Dis à ta femme de se préparer, de se faire un petit peu belle, et puis bah, moi, j'arrive et je te ferai l'amour toute la nuit, mon chéri. Et après, je m'occuperai d'elle. D'accord, mon gros lapin, je t'attends. Ah, t'as envie de me faire l'amour, je t'excite déjà, hein? Ouais. Bon, j'espère que tu me feras un petit peu. A priori, à mort. Un petit peu mal aux fesses. Allô? Parle. Laurent? Allô? Oh merde. Bah, parle. Ouais, pourquoi faire? Je t'écoute. Hein. Ah bon? Bah, tu te prépares alors, mon chéri. Hein? Bon, bah, je vais te faire l'amour et tu me feras l'amour après, d'accord? Ouais, bah, ramène ta gueule un petit peu. Bah, j'arrive dans 5 minutes, mon chéri, ne sois pas si pressé. Tu vas voir. J'arrive tout de suite, mon bébé. Bisous. Oh. Gros bisous à tout de suite. Putain, mouah. Le con. Mouah, mouah, mouah. Ah bah voilà, ça y est. On y arrive. Alors Romano, qu'est-ce que t'as à dire sur mon appel? Ouais, bof. Bah quoi? T'as pas été convaincu toi? Bah excuse-moi, non, ma gueule, mais bon, on n'est pas rentré dans les détails sexuels. Hein. Bah écoute, y a pas besoin de rentrer dans les détails sexuels, le mec, bah, je vais faire l'amour, même, qui va faire l'amour. Sur la fin, un peu, le mec. Que je fais l'amour après avec sa femme, il n'y a pas de galère, le mec il m'a dit ouais, viens, amène ta gueule, t'inquiète. Bon, ce sera à vous de voter de toute façon. Hein, il dans a un instant. À chaque fois. Hein. Il y a le dernier coup de fil de Romano tout de suite. Attention Romano, c'est parti. Top dernier coup de fil, ligne numéro 8 pour ton dernier coup de fil. Allez. François. Et c'est François qu'on appelle. Attention, faut tout donner. C'est ta dernière chance. Bah attends. Bah oui. Oui, allô. Allô, François. Oui. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Ça va. T'es tout seul ce soir?
Non, pourquoi? Non, t'es avec ta femme? Bien sûr. Ah, bah ça tombe bien ça. Parce que tu sais, j'ai été faire les soldes aujourd'hui là. Ouais. Et je vais trouver des beaux porte-jartels. Et je voulais lui amener ce soir pour qu'elle les essaye devant moi là. Je peux passer, ça te dérange pas? Bah si, t'as un gilet pare-balles, tu peux toujours venir. Ah bah je vais venir. J'espère que tu vas me plomber le derrière. Comme ça, moi je ferai l'amour à ta femme et toi tu me plombes le derrière avec ton fusil. Ah mon petit, comment il s'appelle lui déjà? François. Oui, mon canard. Ah, mon... Oh. Ma pupuce. Non, non, moi, je dis canard parce que j'adore tirer les canards. Ah, ben, tu vas bien me tirer les fesses, j'espère. Hein. Ça, c'est bien. Tu prépares les plus grosses cartouches? Bien sûr. Moi, ouais, je suis un gros gourmand, moi. Alors? Et tu dis à ta femme de se mettre nue, comme ça, elle met les porte-jartelles et après, je lui fais l'amour. C'est ça. Eh ben écoute, c'est parfait ça. Tu as le courage de donner ton nom? Ouais, je m'appelle Jean-Louis David. Je suis là dans 5 minutes, de toute façon. Jean-Louis, comment? David. Ah! Ouais, ouais. Ah. Si tu veux, en cadeau, je te ferai une petite coupe de cheveux. Mais écoute, j'arrive dans 5 minutes. A tout de suite, François. Bien sûr. A tout de suite. Bisous, ma poule. Oh, bravo! Et voilà. Eh, bah, dites-moi. Et moi aussi, on m'a dit mon canard, moi. C'était... Toi, t'es canard, toi. Ouais, et Cédric, c'est là, c'est gros lapin. J'aime bien tirer les canards. Moi, c'est le gros lapin, mec. Tu vas te faire tirer comme un canard, Romano. Tu es content de te faire tirer? Ouais, mais c'est bon, ça. Ça c'est... Je me fais cartoucher, quoi. Est-ce que je pourrais me faire tirer comme une canasse? Non, s'il vous plaît. C'est pas une canasse. Non. J'aimerais bien. Non, bah, Marie, non. On va, si tu veux, tu viendras avec moi. Non, ça va, je te remercie, non. Bon, il faut. Eh ben, c'est fini pour les appels, on va maintenant passer. On va faire un dernier petit tour, là. Non, j'étais bien, là. Putain, moi, j'ai jamais le droit des tours en plus, quoi. Non, mais écoute, on aura le droit de te plaindre dans ta déclaration. Ah ouais, si bah, c'est clair, je vais me plaindre. Bon, putain, mais c'est vraiment. J'hallucine, quoi. L'autre, des fois, on fait 5 tours parce que l'autre, il arrive pas à serrer une fois. Là, on s'arrête comme ça. Bon. Combien de fois, gros, on a pas serré, t'as pas serré, on a rappelé aussi. Et il a serré, là, en plus. Et combien de fois, j'ai donné des appels en plus gratuits? Hein, bah tu pourras dire ça dans une déclaration que Cédric il veut pas d'appel de plus. D'accord, bah, très bien. J'en veux, toi, les appels en plus. Non, mais il en veut pas, allez, c'est bon. Si, attends, j'ai compris. Alors, j'ai bien compris. Déclaration, non. C'est parti. Cédric, ta déclaration. Ah, tu veux chanter d'abord, peut-être. Allez, vas-y. Ah, tu chantes. Musique. Musique. C'est Cédric, hein. Non, pas celle-là. J'aime. J'aime, c'est l'arbitre. Voilà, je préfère. Alors ce soir, c'est jolie ta chanson que t'as passée là, ça change un peu. Non, pas saboter mon truc, toi. Donc ce soir, on est vendredi 13, la famille, je compte sur vous tous et vous toutes. C'est un peu mon jour de chance. C'est ton jour de chance. C'est mon jour de chance. D'accord. Pas de problème, Cédric. Attends, je recommence. 3, 4. C'est un peu mon jour de chance ce soir. Donc je compte sur vous tous et vous toutes pour voter CEDRIC. Moi, j'ai serré Laurent et sa femme. Il m'a donné un petit nom, un petit surnom sympa, son gros lapin. Je lui ai dit que j'allais lui faire l'amour, il m'a dit pas de soucis, que j'allais faire l'amour à sa femme, pas de soucis, qu'il allait me faire l'amour derrière, il était ok, donc pour ça n'hésitez pas à voter Cédric, CEDRIC, je vais lui faire l'amour toute la nuit, pour ça soutenez-moi la famille, je compte vraiment sur vous tous et vous toutes, merci, je vous aime. Merci Cédric. On passe à Romano tout de suite qui veut nous faire une déclaration. Tu veux Je vais chanter musique des conseils pas cher remix. Tu veux pas nous faire ta danse du ventre que t'as fait juste avant là? Ah, bonsoir mes amours. Bonsoir, la danse du cul. Comment allez-vous? Ça va, moi j'essaie d'être tranquille. Je m'écarte un peu aux toilettes, accueillir le fusil du monsieur. Très bien. Tu veux chanter quoi? Pas cher remix là. Qu'est-ce que tu fais? Pas cher remix. Il faut voter Romano. Surtout pas la famille. Il faut voter Romano. Il faut voter Romano. Poupou. Il faut voter Romano. Poupou pilou. C'est le final ce soir. Alors, quelque chose à dire? Bon, ce soir, mes amours, moi j'ai serré, comment il s'appelait, François ou Jean-François? François. Je mets sa femme en porte-jartelle ce soir. Sexy lady. Je lui fais l'amour. Lui, François, est sans doute un chasseur. Il sort la grosse artillerie ce soir. Il veut me tirer comme un canard. Il m'a appelé mon canard. Il prépare le matos. Ce soir, c'est cartouche dans les fesses. Et je vous fais remarquer que ce soir, Cédric n'a rien dans le ben. Moi, je voulais continuer le clash à tour de plus. Bon, Cédric n'a pas voulu. J'ai jamais dit non, gros. Vous voyez que le mec, une vraie baltringue. Et bien, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Et bien, top vote, vous votez. C'est sur le 41 Sky, le skyrock.fm, les applis
Sky. Vous avez 5 minutes, il est 22h23. Eh bien, on vous laisse jusqu'à 22h28. Pour voter Cédric, la famille. 5 minutes pour voter, pour faire la différence. Le mec était en panique de faire un dernier tour, de non, trop non. peur de se prendre avant et que je sers. Mais t'es vraiment un mytho. Romano, quoi. Mais quel mytho celui-là, mais t'es vraiment un mytho. Bah, t'as voulu en faire un ? Bah ouais, grave. Mais t'as pas insisté, bah après, j'ai dit oui. L'autre, après, il a pas voulu. Bah, voter, c'est qui l'autre ? J'ai entendu parler mal. Franchement, il parle mal, hein, de tout. Sly. Yeah. Résultat très serré, on va dire assez serré, pas très serré, assez ouais. serré pour le clash de ce soir. 45-55, c'est le résultat. 45 pour le gagnant, pour le perdant, 55 pour le gagnant. C'est ça, ouais. Bon, il y a eu beaucoup de votes en tout cas, hein. Vous avez beaucoup voté. Ah, ça a bien défilé, ouais. Vous avez donné la victoire. C'est marrant, on dirait que tu le sens, Romano. Non, non, mais là, je m'en doute, là. Cédric. 45, c'est bien, hein. Cédric, non, mais ce soir. C'est même un score très serré. Alors, le gagnant est avec 55% des voix, ça a été serré. Ah ouais, quand même. Cédric. Eh oui. 45 pour Romano. Oh putain, ça fait plaisir. Victoire ce soir de Cédric. Bravo Cédric. Oh merci, je vous aime très très fort. Bon, j'en profite pour faire des dédicaces. Vous avez entendu qu'il est ému. Et à vous tous qui avez voté pour moi, je vous aime très très fort. Merci, merci. Donc voilà, merci, je vous aime très très fort. Ça me fait plaisir d'avoir gagné ce soir. Je vais quand même remercier les 45% qui ont voté pour moi. Bon, ce soir, baisse de régime, mais je m'y attendais là sur le coup. Ah, t'as pas été surpris? Non, je m'attendais parce que bon, j'ai pas performé un truc de ouf quoi. Bon, en tout cas, on vous remercie pour tous les votes, c'était super ce soir. Bon, bravo Cédric, génial. Quel beau gosse Cédric, bravo le gars, bravo merci. Le Belge, dans le cul à Romano, tous les fans de Cédric se déchaînent, vive Cédric, t'es le plus fort. Ouais. Les fans de Cédric, pas mal. Déchaînez-vous, hein, je comprends que vous déchaînez, ça arrive une fois par mois, donc bon. Et ce soir, je suis un peu le best aussi. Très bien. Merci, merci. De rien, Cédric.